Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans force côté A. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter édition nouvelle par là. Comme on connaît, chaque week-end, nous avons rendez-vous avec vous pour nous dire qui s'est passé dans l'actualité A. Dans le pays d'Haïti, donc, ou même qui n'a pas de temps pendant la semaine ou de travail, eh bien, nous avons rendez-vous, c'est rendez-vous week-end qui rentre la caillou. Nous avons démarré avec information ça, côté pendant la semaine, donc, avec 2 journées de grève, donc, plusieurs fédérations syndicales transportées avec syndicats propriétaires chauffeurs, de lancer journée lundi. Avec Madi, donc, qui était paralysé et tout secteur d'activité dans le pays d'Haïti, tant que l'école, commerce, transport public, donc factory, banque commerciale, factory, industrie et latrier. Donc, grève ça, c'est pour syndicalistes eux-mêmes, ils étaient capables de protester contre question kidnapping, insécurité généralisée. Avec pour l'État, tu es capable de faciliter la population, jouer un gaz pour être capable de régler l'activité, surtout secteur transport public là. Donc, chauffeur motocyclette, chauffeur machine, chauffeur camionnette, chauffeur taxi. Donc, pour être capable de travailler, puisque secteur ça, c'est au quotidien, tu sorti dans l'arrière pour être capable de chercher manger pour la caille. Faut que nous disions, pendant toute reste semaine, non? Donc, tu as gagné un gros mouvement dans plusieurs villes dans le pays, dans la région métropolitaine Port-au-Prince, dans le Kouadebouké, dans le Cafou, donc dans Mirebalais, dans Jérémie, dans Saint-Marc, Gonaïve, avec dans le département sud-est, dans Jacmel, mais pour être capable de continuer à protester, donc demander l'État pour prendre responsabilité, mettre sécurité. Dans le pays avec gaz pour la population servie. Association chauffeur et donc qui a transporté produits pétroliers, donc tu as observé un arrêt de travail, donc journée jeudi pour être capable de protester contre le phénomène kidnapping, insécurité qui empêchait yo aller chercher gaz dans le terminal, dans le Varé avec dans Dolan, donc pour aller approvisionner. Donc, pompe gasoline, yo. Donc chauffeur et transporteur tanker, fait qu'on est pas possible pour eh ben yo ap travail et puis pour bandits armés à kidnapper yo et puis à tout camion gaz y a transporté yo demander gros l'argent pour être capable libérer yo. Donc chauffeur fait qu'on est ça qui pire d'après chauffeur yo eh ben propriétaire camion tanker ça yo toujours négocier avec bandits pour yo prendre camion yo. Donc pendant yo quitte yo nan men bandits yo même c'est famille yo qui toujours négocier fait sacrifice pour yo joindre libération yo et c'est pour ça yo te tanmen arrêt travail ça pour forcer l'État prendre responsabilité pour rétablir sécurité dans pays d'Haïti. Toujours dossier qui gen rapport avec question raté gasoline association chauffeur. Plusieurs fédérations syndicales ont annoncé yo eh ben y a tamen une opération yo baptisé fermer pays à partir lundi 25 pour arriver mercredi 27 octobre cap venir là donc pour capable continuer forcer l'État haïtien prendre responsabilité pour le résoudre problème insécurité kidnapping avec pénurie gasoline ça qui gagne dans pays a. Donc, association avec plusieurs fédérations syndicales, donc ils ont décidé fermer pays dans l'autorité de l'État, donc pour forcer yo prend responsabilité, yo prend conscience, pour yo prend responsabilité vis-à-vis nation haïtienne lui-même qui l'a pour contre lui des bras pendus par les moun, eh ben pour défendre lui. Toujours information ce maintenant lundi qui s'est passé a te gagné un groupe plusieurs dizaines de citoyens consommateurs qui ont même fait un sit-in devant compagnie téléphonique mobile Digicel toujours pour être capable de protester contre décision responsable compagnie prend
pour augmenter frais sous quelques services mon cash. Donc, malgré citoyens ça eux-mêmes ils étaient campés paisiblement pendant ils ont lancé slogan donc contre compagnie Digicel là. Donc c'est avec gros coup de gaz lacrymogène la police t'est dispersé groupe citoyens ça qui eux-mêmes tapent réclamer droit. Donc, comme réponse avec sitting consommateur, gagné PDG Digicel là, Martin Bout lui-même qui parlait dans plusieurs médias dans la capitale là, eh bien, il fait connaître c'est une compagnie privée, il a gagné, il a pas tourné sous décision ça. Donc, si un monde fâché, donc contre décision compagnie prend pour augmenter frais et sous question transfert mon cash, eh bien, il est capable toujours aller dans une autre compagnie, à abonner dans une autre compagnie téléphonie mobile. Information semaine toujours, donc c'est kidnapping groupe armé 400 Marozo fait week-end passé à sous 16 missionnaires américains yo, avec un Canadien, 3 Haïtiens, donc qui étaient ensemble avec yo, ça qui fait un total 20 moun qui en otage dans main. Raviseyo, donc ces chaînes d'information américaines en continu, CNN, qui lui-même t'a pral révélé, Raviseyo, il a réclamé 17 millions de dollars américains pour être capable de libérer missionnaires, donc à raison de 1 million de dollars américains par tête. Donc Raviseyo, il a menacé pour tuer otages. Donc si toutefois, eh bien, autorité américaine yo pa ta payé yo l'agent si la yo réclamé. Gouvernement américain lui-même qui répond, eh bien, li dit li pa nan chantage, li pa gagne yon grain dollar la bay ravise yo pour yo capable libérer otage yo. Donc li fait connaître ça qui priorité pour li, ça qui important pour li d'après gouvernement américain, c'est que c'est pour joindre libération 17 missionnaires yo pour yo capable retourner dans pays yo aux États-Unis. L'autre gros cause qui gagne dans l'actualité dans la République d'Haïti, donc c'est le kidnapping qui était fait sous pasteur Jean-Ferrer Michel dans la date 3 octobre passé. Et donc en pleine adoration sous l'hôtel, l'église, dans l'église Jesus Center dans Delma 29. D'après le directeur exécutif RNDDH, la Pierre Espérance, c'est un règlement de compte. Dossier kidnapping, pasteur Jean-Ferrer Michel là lui-même lié. Pierre Espérance, accusé, ministre intérieur à collectivité territoriale. Litz Kitel, qui lui-même tout, c'est en même temps ministre de la Justice. Donc, comme quoi, c'est lui-même qui t'a fait kidnapper pasteur Jean-Ferrer Michel. Peut-être pasteur t'a gagné une relation amoureuse avec madame Li, Barbara Kitel. Dans ce sens, défenseur droit mounan Pierre Espérance mandé Premier ministre Ariel Henry pour le révoquer ministre Litz Kitel qui est ministre intérieur pour la répondre question la justice pour suspicion kidnapping qui pesait sous dole. Pierre Espérance fait qu'on est déjà transmettre plusieurs dossiers donc qui montrent by DCPJ direction centrale la police judiciaire dans une lettre li écrit. Mais pour le deal, li gagne donc de bonnes informations qui ont rapport avec rap ça qui était fait kidnapping ça qui fait sous pasteur Jean-Ferrer Michel. Et ben tu as gagné rapport avec ministre intérieur Litz Kitel et ben pour DCPJ à mener enquête sous lui. Toujours dossier insécurité faculté sciences économiques sociales et politiques université Notre-Dame d'Haïti. Donc, tu es campé travail, journée vendredi 22 octobre là, pour être capable de réclamer libération sans condition. Professeur Patrice de Renoncourt, nèg exam, tu es enlevé, tu es kidnappé dans Ricamo samedi 16 octobre passé. N'a pas rappelé, policier Pierre Richard, un agent BLTS qui c'est brigade lutte anti-drogue dans le pays d'Haïti, donc qui au même était dans la zone Ricamo, yon patrouille qui était dans la zone ça. Donc, yo lui-même, et bien monsieur mouri en bas balle bandit pendant l'étape tentée pour être capable de sauver professeur de Renoncourt,
bandi yo même pour yo pas de kidnapper. Gagné yon l'autre policier, yon agent BLTS qui est Ismaël Dimitri qui lui-même sorti blessé dans attaque si là. Donc malgré ça, kidnapper yo même yo t'est arrivé aller avec professeur de Renoncourt. Toujours dossier insécurité, Sainte Carl Lévesque attiré attention autorité l'État, donc sur un réseau trafic ZAM qui a fait sous frontière pays République Dominicaine avec pays d'Haïti, principalement dans zone Fonverette côté dominicain yo fait échange ZAM avec haïtien yo qui yo même ba yo manger, donc qui donc échange ZAM pour manger, ZAM pour produits alimentaires. Donc Sainte Carl Lévesque li dit, eh bien, si l'État haïtien pa prend bonnet pour freiner réseau trafiquant ZAM sa, qui chita dans frontière pays d'Haïti principalement dans Fonverrette, eh bien pita capable pitris par rapport avec Jean climat insécurité a déjà dégradé dans pays d'Haïti. Dossier politique secteur démocratique ak populaire nan voix met André Michel qui signe accord gouvernement apaisé avec premier ministre Ariel Henry bay gouvernement ben yon ultimatum jusqu'à 1er novembre 2021 pour capable révoquer Léon Charles en tête police là avec pour mettre campé gouvernement consensus apaisé. Sinon, la peur prend la rue, bon côté peuple là, d'après ça le dit, eh bien, pour le capable exiger application à corps si là. Donc, environ 24 ans après ultimatum secteur démocratique là, eh bien, directeur général AI PNH là, Léon Charles, baille démission dans tête la police là. Premier ministre Ariel Henry lui-même, il n'a pas pris temps pour être capable, pour être nommé et puis installé. Donc, commissaire municipal Franz LB, comme nouveau directeur général AI, police là. Donc, lui reconnaît, donc, il gagne alors Franz LB, qui est nouveau directeur général AI, PNH là. Donc, il dit, il reconnaît, il gagne un gros défi pour lever. Donc, qui sait permettre climat, sécurité pays à lui-même, lui retourner dans place li. Dossier justice, gagné paquet, Port-au-Prince, qui annonçait limiter un mandat d'arrêt avec une interdiction de départ derrière citoyen qui portait nom Busta John, un haïtien qui vit dans le pays Canada. Peut-être qu'ici lui-même, lui fait ça au relais. Incitation à la violence, donc avec financement activité terroriste dans le pays d'Haïti. Gagné dès l'autre mandat, Pakea annoncé li émettre contre chef Genève en famille et allié à Jimmy Cherizier, Mabikyo, avec Robert Doriska, mais peut-être d'après commissaire gouvernement Franz Luigis, monsieur Sayo même, mais il a été tenté assassiner. Même gouvernement, journée 17 octobre passé, dans l'occasion commémoration 217e anniversaire et assassinat Papa Nation Jean-Jacques Dessalines dans Pont-Rouge. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campons avec Revue Actualité ça pour ce maintenant. Nous remercions pour écoute ou attention. C'est des amis frères Met Info qui t'observent. Nous avons cassé rendez-vous demain, même la même chaîne, si Papa Bon Dieu content. À bientôt.